du sport. Avant de prendre congé, c'est déjà les demi-finales pour les compétitions de lutte traditionnelle. Elles avaient été lancées le lundi dernier au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Les phases de poule ont livré leur verdict ce matin. Le palmarès est avec Jean-Yves Bayala et Mamadi Wena. Il y avait du monde ce matin au plateau omnisport du stade Wobi pour suivre les combats de lutte traditionnelle. Bien ancré dans nos cultures, ce sport passionne. Je suis très passionné de la lutte et je suis très content de voir améliorer la culture de la lutte dans tous les domaines, le plus petit au plus grand. Je suis ravi de ça. On aime ça, mais seulement on n'a pas souvent la chance d'avoir ça comme ça, en compétition réelle comme ça. Donc depuis ce matin, on est là en train de le suivre. Sinon, on aime beaucoup, c'est bon. Et si la reine de lutteurs n'a pas fait de nombreux efforts, les spectateurs par moments ont été émerveillés par le spectacle. Si les combats féminins et les plus jeunes ont été parfois lapidaires, au niveau des poules adultes, hommes, certains combats ont été très disputés. Dans la catégorie des plus de 116 kg, Franck Follané du centre en ceinture rouge, malgré un combat épique, s'est incliné devant 10 saisons. Mais il se rachète devant Timothée Towé, un duel qui a aussi été très indécis. Mais Franck gagne le combat grâce aux trois pénalités infligées à son adversaire. Côté qualité, les jeunes là ont beaucoup évolué. On sent qu'il y a de l'entraînement. Avant, les combats qui étaient faciles sont vraiment compliqués maintenant. Les jeunes la bossent. Maintenant, il faut que les anciens se donnent à fond hein, pour que moins ils puissent sortir de l'eau. À chaque année, à chaque compétition de la SNC, bon, franchement, il y a trop de durs combats. Il y a les durs combats. Les combats, bon, vu le niveau des jeunes lutteurs aussi, et puis les anciens, ah, c'est pas facile. Toujours chez le plus de 116 kilos, Evalus dans l'arène de Sébastien Tanier de la boutique de l'Allemagne, en ceinture rouge qui a eu toute la peine du monde pour venir à bout des diapatrias du centre-est. Vraiment étonné, le niveau est très élevé, même au niveau des enfants, on a conseillé vraiment, les gens sont préparés. Alors, je crois que cette année, vraiment, le niveau est bon. Au niveau également des seniors, franchement, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Les phases de poule de la compétition de lutte traditionnelle ont pris fin ce matin et les finales sont prévues pour demain dans l'après-midi. Juste avant, dans la matinée, le tir à l'arc, l'autre sport traditionnel de la SNC va désirer. Vainqueur. Vainqueur pour le...